Je suis obligé de te dire quelque chose. Prince Aimé, what's the médical? Prince Aimé a dit qu'il ne veut pas te voir à côté de son pied. Gâté devenu fou. Quoi? Il dit que le gars avec qui on monte sur le bicycle, il dit que oui. C'est Wazé qui vient de me dire ça. Mais ne te fâche pas, ça ne sert à rien. Il dit que je parle, il dit que ne parle pas, Gâteau. Si tu parles maintenant, on va dire que tu es jaloux. Laisse. Gâteau prend son téléphone, il appelle Prince Aimé. Il dit deux mois, Prince Aimé, il raccroche. Il dit que c'est bon, il a bloqué. Gâteau dit que. Je dis que je ne sais pas si ce que Wazé m'a dit est vrai. Mais Wazé dit qu'il ne peut pas t'imposer. Prince Aimé m'a dit qu'il ne veut même plus sentir ton odeur. L'affaire a fait Gâteau. J'ai calmé Gâteau comme vous pouvez. J'ai dit que ne sors pas, ça ne sert à rien. Soit que vous voyez Gâteau sortir un peu et tout. Donc j'ai enlevé mon pied. Bon, Wafde, on t'a laissé. Tu avais dit que tu as amené Prince Aimé au Ghana. On est où? On attend tout le passeport là. Tu as dit qu'il devait partir en Afrique du Sud. On est où? Tu as dit que, bon, il y a une je ne sais pas. Je ne peux pas parler. Tu as fait le tour du monde pour bloquer tous les remises et prendre l'argent. C'est où? Dans un été direct, nous allons t'écouter. Tu as dit que Orange a payé des millions. Parce que si je parle, on va dire que je mens. On va t'écouter toi-même. Parce que hein, tu ne peux pas te retirer. Tu ne peux pas te retirer. Tu vas rester dans le projet là. Tu vas rester dans le projet parce que hein, personne ne t'a appelé. J'ai vu ton communiqué, tu dis que oui, tu vas Easy Consulting, tu vas s'occuper. Easy Consulting n'a jamais, ne s'est jamais occupé d'un Atito Cameroun. C'est qu'est-ce que tu. Donc tu as un petit compte pour Yemi Alade avec Gâteau, avec Prince Aimé. Un truc aussi lourd que tu dois porter, fais la com. Tu portes ça, tu donnes à Easy Consulting. Easy Consulting, tu as regardé qui. Vous avez pris la page Aimé de Prince Aimé, vous avez vendu les lignes à Noma, tu t'es vendu, personne ne te connaissait. Vous avez volé le buzz d'un aveugle. Maintenant, tu viens nous expliquer que oui, tu as fait ta part, tu as fait quoi? Tu as fait ta part, et puis vraiment le procès, ton fils a eu le procès, et maintenant tu vas t'occuper de ton fils. Qu'est-ce qu'on t'avait forcé de venir dans le projet? Quand ton docteur proposé ça, tu pouvais dire que non, j'ai mon fils à m'occuper. Tu es venu voler le buzz et tu as pris. Dès que quelqu'un parlait, tu partais faire les problèmes. Tu étais partout pour chercher. Maintenant là, quand ça va déjà fini, tu vas déjà partir que oh, et puis je vois les Camerounais, oui, la balle, tu vas récupérer. Voilà. Quand je travaille derrière ce tir là, j'ai mangé un franc à faire là. J'ai travaillé gratuitement pour cette histoire, j'ai organisé le voyage de Prince Aimé jusqu'en Côte d'Ivoire sans vous demander votre avis. Vous avez demandé l'argent? J'ai travaillé dans cette histoire, j'ai demandé votre avis. Bande de sorciers Camerounais là. Des sorciers. De ce moment dans le fond, la méchanceté. À soutenir les bêtises. Vous ne pouvez pas vous lever et dire la vérité à vos frères Camerounais quand ils font des conneries. Malo est responsable de toute cette misère parce qu'il voulait exister. Je vais dire ça jusqu'à demain. Malo est méchant, jaloux, aigri. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout ce qu'il a touché, il a fait que il n'a que fait du faux. Je vais le dire et vous n'allez même pas m'empêcher de le dire. Quand on a eu l'histoire de Orange ici, avec la photo qui a gâté, c'était Malox. Les dépenses a essayé de parler à Camtel. Malox a gâté. Voici la fin de Prince Aimé ici là. Son ami, il a fini de faire les bêtises qu'il a fait là. Qu'il appelle son là. Il a fait ces bêtises qu'il appelle son là. Vous-même, c'est le plus nul des remix. Tous les remix que j'ai attendus là, c'est le plus nul. Ça veut dire qu'ils sont en train de ils ont pris les casseroles, ils ont tapé, ils ont versé dehors et jeté. Juste parce qu'ils savaient qu'il était coincé dans une histoire qu'il a créée et créé les problèmes entre les Camerounais et les Ivoiriens. On ne va pas dire ça pourquoi. On ne va pas dire ça pourquoi. Bande de sorciers. Je vais parler ça jusqu'à demain. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Qu'est-ce que c'est que ce peuple de méchants, de gris, de jaloux? Quand je veux parler, on dit que tu as fait quoi pour Prince Aimé? Est-ce que vous savez tout ce que j'ai fait derrière pour Prince Aimé? Aujourd'hui, je vous parle avec des preuves. Vous allez encore m'insulter que je n'ai rien fait? Je n'avais rien à dire dans cette histoire. Je me suis battu comme je pouvais parce que je connais la force qu'il y a en Afrique de l'Ouest pour un artiste. La chance que Prince Aimé avait. Vous avez détruit ça avec la haine, la jalousie, l'aigreur, le pouvin. Oh, nous sommes les Camerounais. Oh, nous sommes ceci. Vous avez gâté une chance parce qu'il y a la méchanceté gratuite au Cameroun. On a un gars comme Malox qui utilise un aveugle pour voler sa chance. On me parlait, vous m'empêchez de parler. Il a fini. Il a fini. Il est parti sortir Balthazar pour exister. Il joue partout maintenant. Prince Aimé là, dans deux mois, on sera ici. Est-ce que c'est normal? Si c'était le buzz de Malox, que vous rentrez comme ça dedans, mettez ce buzz là du côté de Malox. Prince Aimé, vous pouvez se comporter comme ça? Malox a accepté ça? Pourquoi vous acceptez que Malox fasse du mal à ses compatriotes artistes et on ne peut pas le dire? Pourquoi? Il est qui pour au Cameroun faire du mal aux artistes? On ne peut pas le dire. Je vois Gouastev aller sur la page d'un artiste comme Débordeaux de Koufa et le traiter de voleur. Voilà, on sent des bras cassés qui n'ont rien compris. Débordeaux a mis le son, Viviane. Vous partez, bougez son YouTube pour qu'il enlève. Si on sentait qu'il voulait vraiment le bien pour Prince Aimé, il fait seulement que les droits soient payés à Prince Aimé. Non, avec le mauvais cœur, vous allez gâter. Vous allez dire qu'il faut qu'il enlève. Les peuples vous voient. Vous allez vous regarder comment les Franco, mignon, on n'a pas pu parler. Tous les influenceurs étaient sur ma tête. La baronne, tu es jalouse, tu es aigri, tu as fait quoi? Sans savoir que le Wasté est dans ce projet grâce à moi, grâce à mon travail, en souterrain. Parce que je voulais que Prince Aimé gagne dans cette histoire. Je me suis sacrifié des nuits. J'ai travaillé, j'ai activé tous mes contacts pour que ça marche. Vous m'insultez tous les jours. Que je ne fais rien. On a des artistes qui sont là pour bouffer l'énergie des autres. On ne peut pas le dire. Maintenant, ça fait quoi pour qui? Maintenant, ça fait quoi pour qui? Maintenant, est-ce qu'il a déjà pris le Prince Aimé dans son bavement? Maintenant, ça a eu un contrat. Il dit qu'il peut mourir pour Prince Aimé. Il aime trop Prince Aimé. Quand il y avait le buzz, il y a un snack à Yaoundé qui propose 2 millions de francs. On donne 1 million à Prince Aimé, Malox 1 million, ils jouent ensemble. Malox a refusé, il dit qu'il prend 1 million 5, Prince Aimé 500 000. Ok, peut-être qu'il coûte 1 million 5, mais quand tu aimes quelqu'un, tu peux aussi te sacrifier une fois. Le clip, ils ont fait les placements Orange, 4-5.
et les personnes produites dans l'équipe. Qui a pris l'argent là? Vous croyez qu'on ne voit pas? Vous croyez qu'on ne voit vraiment pas? Je vous le demande. C'est quoi ce peuple qui est prêt à détruire et on ne peut rien dire? Dès qu'ils sont, ils sont comme des abeilles. Quand ils pensent qu'ils ont raison, ils sont assis sur toi, ils sont coincés sur toi, ils t'empêchent de parler. Vous devez tous demander pardon à Déborah Koufa. Moi là, je fais partie de quelqu'un qui n'a pas raté Déborah Koufa ici là. Dieu seul sait que j'ai tourné avec Déborah Koufa ici. J'ai tourné avec Arafat Déborah Baby. Tous ces artistes, voilà, j'ai tourné avec eux. Quand ils ont tort, je le leur dis. Mais quand ils ont raison, je le leur dis aussi avec un cœur. Ce gars là, c'était une chance inouïe pour moi, pour Prince Aimé. Il aurait pu dépasser Aïcha Tchamé avec les contrats. En Côte d'Ivoire, en plus des concerts, tu peux avoir les placements de produits qui te contactent. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée de toute l'Afrique de l'Ouest dans la culture. Si tu es numéro 1 en Côte d'Ivoire, tu as le Burkina en main, tu as la Guinée en main. La Guinée, Burkina, Mali. C'est beaucoup. Et après, vous pouvez monter au Nigeria. Nous avons organisé pour que ce gars voyage. Ouais, c'est même mélangé, mélangé. Oui, on va d'abord passer comme ça. Oui, demain. Oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé. Quand même mélangé et amené le projet dans les mains de Malox. Vous êtes des méchants, des aigris. Wafdela, la seule chose que je demande à la famille de Prince Aimé, c'est de voir que tous les droits qu'il a récupérés là, les royalties là, qu'il les reverse à Prince Aimé. Parce que s'il y a un contrat d'artiste, tu ne peux pas te retirer d'un contrat comme ça. Quand j'ai récupéré mon fils, après un long procès, j'ai décidé de partir. Partir où? Mais quand quelqu'un parlait mal de Prince Aimé, tu as passé le cap à nous dire que Prince Aimé c'est le meilleur, c'est un grand artiste, tu ne vas jamais l'abandonner. Il y a 3 jours tu nous as dit ça. Tu veux qu'on t'écoute? Il y a 3 jours tu dis que tu ne peux pas abandonner Prince Aimé. Comment ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as dit que les gens disent que c'est parce que Prince Aimé est allé jouer à Kribi. Wafdela lui-même a dit que même si Prince Aimé est allé jouer à Kribi, ce n'est pas grave. Nous pouvons l'écouter. Écoutons-le. Il faut que si c'est petit, il donne tous les droits qu'il a récupérés partout dans le monde de Prince Aimé. C'est trop facile de partir comme ça. On va dire que Prince Aimé a tous les défauts. Mais personne n'a forcé Wafdela à venir dans ce projet. Il est venu, il a vu le projet, il a récupéré. Personne ne l'a forcé. Il pouvait dire après chop chop, non, je ne peux pas. Et il partait. Maintenant que le boss a été fini, il a vu que son fils avait. Que son fils a le procès. Et dit que tu as l'argent. Quand on discutait là, c'est lui qui était responsable. On ne connaissait pas Isiko. Isiko a préparé qui au Cameroun. Quand vous, les Camerounais soutenaient par rapport à Wafdela. Moi, je connais même pas qui est Isiko. Comme le consul Tinguza, ils ont travaillé avec l'artiste. Ce n'est pas le fait, c'est quoi? Et c'est maintenant qu'il doit, être là. Il part où? Il va rester là. Bien. Non. Non, 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 non. Tu vas rester dans mon projet là. Non, 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 non. Il reste éditeur de Prince Aimé. Et il part, lui. Il est assis à la maison. Si vous payez un truc, ça vient atterrir sur lui. Il mange l'argent là à vie. Et on va dire qu'on ne parle pas. Mais c'est ce que Malox a réclamé à Debodo. Voilà son frère qui est en train de prendre une tangente avec tous les writers qui a ramassé dans le monde de Prince Aimé. Qui va vérifier ça? Si on veut bouger, il remet l'édition. Il remet tout à Prince Aimé. Il ne prend même pas qu'il continue l'édition. C'est tout. Sinon, il continue seulement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va rester dans le projet, il ne peut pas avoir trompé tout le Cameroun, il ne peut pas parler. Quand tu veux parler, tu es jaloux, c'est quoi? C'est un peuple qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. Vous devez demander pardon à Déborah Koufa. Le monsieur s'est fait tenir dans la boue pour rien. Avec deux malhonnêtes comme Malox et lui, c'est des bandits. Je le dis demain. Quelqu'un est venu ici pour sortir son sang, il est parti. Il a déposé le paquet. Quand vous voyez même le ministre, quand il chante dans vous voyez qu'il est intéressé. Il veut exister. Des voyants qui volent le bœuf de l'aveugle. On ne peut pas parler. J'ai parlé bien. On parle de voler, j'ai volé un aveugle. On ne peut pas parler. Je voulais parler seulement comme s'il n'avait rien fait dans le projet. Moi j'ai travaillé ici, je vous demande 5 francs. Est-ce que vous savez que c'est grâce à moi que moi j'étais entré dans le projet? C'est maintenant que vous découvrez que j'ai travaillé gratuitement en bas pendant des mois. J'ai mis, j'ai connecté tout le monde gratuitement. Tout le monde m'insultait. Ah, j'ai travaillé, c'est de manière à la vie. J'ai travaillé gratuitement et je ne demandais rien à personne. J'ai fait ça avec un cœur parce que j'estimais que c'était une chance pour l'artiste et je me devais de faire ma part. Et j'ai fait ma part. Sans rien à ta dire, fais ma part. Vous les Camerounais m'avez insulté sans savoir tout le travail que je faisais derrière. J'ai travaillé en bas parce que j'estimais que c'était une chance pour Prince Aimé et je me devais de participer à cette chance. Vous m'avez insulté pour rien. Où est le patron de Prince Aimé? Il est attendu au Ghana, en Côte d'Ivoire. Je vous ai raconté tout. Imaginez-vous tout le travail qui a été fait, des nuits de travail, des discussions pour porter ce projet. On vient de se retrouver des bêtises qu'on a vues au Cameroun là. Et je ne peux pas parler. Quand je veux parler, vous m'accusez, vous me, oui, elle est jalouse, oui, elle est ceci. Je suis jalouse de Prince Aimé, je veux profiter quoi de Prince Aimé. Prince Aimé peut me payer. Vous croyez que quoi qu'on a fait? Vous croyez qu'on est dans la couture depuis plus de 30 ans parce qu'on a quelque chose? C'est une question de passion. Moi, j'ai entré dans ce projet parce que j'ai voulu. J'ai donné ma poitrine. Et c'est Tonton qui le met dans cette histoire. Parce que c'est son bon petit. Il me dit que la baronne, il est bien. Je fais confiance. C'est comment? Vous m'avez insulté ici pendant des semaines, je ne peux pas parler. Tout le monde qui est en buzz, Malox vient, il gagne et il continue. Voilà Prince Aimé, nous voici assis par terre, ça fait même pas 2 mois. Il a fini, il a déposé, il a continué sa route. Il est venu poser la patate chaude entre les mains de moi, et Tchok Tchok et Wafdela. Wafdela aussi a mangé sa part, ils ont fait le plan, les deux sont déjà bien, chacun est dans son coin, Prince Aimé là, il se promène. On lui a donné la voiture, même si c'est la voiture, il va faire quoi de la voiture? Il peut faire quoi de la voiture? Wafdela a dit qu'il va lui construire une maison, il va acheter une maison. On va entendre, où est la maison avant que tu te retires? Donne lui une maison. Oh, il va plus habiter les quartiers, oh, on va faire comme ça, oh, il a trop souffert, oh, je vais l'aider. Deux voitures en un jour, menteur, bandit. J'ai pas les yeux, mais porter plainte.